Voilà, c'est bon. Coucou tout le monde. Ah, mince, c'est mal orienté. Voilà. Moi, j'ai l'air un peu fatiguée. Moi, j'ai tenu les cheveux qui ont poussé, alors. Voilà. Du coup, j'espère que tout le monde va bien par ce temps. Toi, t'es travers, toi. Bonjour hein. Tout le monde. Comment allez-vous, tout le monde? Je ne peux pas parler normalement. Non, je parle comme un gosse. Je pense à quelqu'un. Du coup, le chat, ça va un peu mieux. Ah oui, j'étais... Mais c'est pas encore ça, mais ça va un peu mieux. J'étais chez vétérinaire, là, du Lorient. Tout va très bien. Il s'est fait faire les ongles. Oui, il a partout regardé, dans les dents, les oreilles. Je pense peut-être qu'il s'est effrayé, la peur, un truc, je sais pas. Il a dit, il faut le laisser, il viendra déjà tout seul, le monsieur l'a dit. Voilà, ça va, il commence à venir tout doucement. Oui, il vient nouveau, tout petit à peu. Il a pu gratter avant, et après, il est parti. Et c'est quand même bizarre comme ça du jour au lendemain. Hein. Enfin, il a perdu 1 kg. Ouais. Il a de la chance, il l'a perdu, pas nous. Non. J'étais presque, je suis presque pleurée parce que quand je vais chez lui, chaque fois, on me fait une réflexion parce qu'il a grossi. Voilà, il a perdu. Oh punaise. Alors je lui ai dit 3 fois, je lui ai dit, vous êtes sûr, vous êtes sûr, vous êtes sûr. Il a dit, punaise, ça soit que. Si, si, il a perdu 1 kg. Du coup, moi, j'ai terminé chez moi et en même temps, j'allais à la pharmacie, j'ai cherché ma crème. Baume du tigre, elle est bien. Elle est petite, mais les prix varient en fonction des pharmacies. Hein. Là, j'ai 9,90. Ça va. Il n'y a pas beaucoup, mais ça chauffe bien. Ça guérit pas les douleurs, hein, faut pas rêver. Hein. Mais ça soulage un peu. Au moins, c'est assez efficace. Ah, mais j'ai la moitié par terre. Non, laisse. Je le ramasse après, mais il faut pas. Moi j'étais à mon rendez-vous, ben, bien évidemment, à la routine, hein, où on ne sort jamais bien. Heureusement que j'ai pris un autre rendez-vous dans un autre hôpital. Et maman, pourquoi je suis venue? Je suis venue, c'était pour un truc précis. Déjà pour mon hernie, oui, j'ai perdu du poids, ça je sais. Mais j'ai demandé autre chose, moi, j'aimerais bien un suivi, un truc. Je me ressors avec une cure. Mais ça, et. Quelle année vous avez eu le cancer? Et c'est le cancer de quoi? Et si? Et ça? J'ai dit, mais c'est pas noté sur votre ordi? Chaque fois que j'ai un rendez-vous, je viens pour un truc précis, on vient toujours avec autre chose. Mais finalement, je sors avec jamais ce que je veux. Moi, j'ai dit, c'est pas marqué chez vous? Mais c'est fait exprès pour te poser des questions pour voir si. Pourtant, c'est toujours le même hôpital, hein? Si tu te rappelles, si tu. Non, non, c'est pas pour me rappeler, c'est qu'en fait, j'ai pris un rendez-vous pour rien du tout. Oui, ça c'est je vrai. Sors avec une cure. Oh, ça, par contre, ça j'y vais, ça c'est pas un problème. Ça me fera des vacances. Mais je veux dire autrement, c'est tout. Est-ce que vous êtes allergique à quelque chose? Mais vous le savez déjà? Ça fait plus de 10 ans que je suis là-bas, que je. Majorette, s'il m'aurait dit, j'étais dégoûtée, hein. Je vas-y. T'aurais-tu dit, oui, je suis allergique à venir chez vous? Non, mais je lui ai dit, j'ai demandé un rendez-vous. C'était parce que j'avais des questions à vous poser. Mmh. Alors, elle m'a dit pour le truc que je veux faire, voilà. Mais d'abord, il faut que je fasse la cure. Si jamais ça ne marche pas, alors oui, ce serait possible. Oui, mais vu que vous avez eu le cancer, vous avez déjà eu deux éventrations. Oui, bref. Dis-moi si je peux ou si je ne peux pas. Je n'ai pas demandé entre oui, peut-être ou pas, je ne sais pas. Je suis à l'hôpital. Est-ce que je peux ou pas? Je ne sais pas. Ils ont fait tellement d'études pour me sortir cette merde. Je l'ai apporté au cœur, ça. Finalement, je ressors bredouille. Ah, ça m'a énervé, je dis, je ne sais même pas pourquoi j'ai pris rendez-vous. Donc, la cure, je suis d'accord, hop, c'est bien, moi, je ne dis pas non. Ils ne sont plus rien, les médecins, hein, je veux dire, j'aurais aimé avoir un peu plus de soutien, et en plus, j'ai de nouveau un autre, forcément. Alors, si à chaque fois que vous prenez rendez-vous, vous avez suivi par un autre, après, c'est un autre, encore un autre, et à chaque fois que vous prenez rendez-vous, on vous pose les mêmes questions, moi, je ne viens plus, hein. Après, on s'étonne pourquoi on ne vient plus. C'est la faute aussi. Moi, je ne sais pas où ce qu'ils font leur métier. Hein, parce quelle catastrophe. Heureusement que j'étais intelligente, que j'ai rendez-vous dans un autre hôpital. Je dis, parce que je sais comment ils sont là-bas. Oui. Tout ce que j'ai demandé, tout, même avec mon ancien chien, on m'a tout refusé. Tout, j'étais refusée. Oui. Je ne comprends pas pourquoi. Alors, pourquoi il y en a qui vont pour leur esthétique?
Ils ont le droit. Ils ont quoi, 20 kilos? Mais parce qu'ils sont le pognon. On accepte, et nous, quand on a des problèmes, on veut s'en sortir, on nous crache à la gueule. J'ai déjà dit, les gens qui font faire des trucs, ils sont le pognon. Ils peuvent mettre les soutes sur la table, et le médecin, il le fait. Voilà. Après, avec sa queue, ça va arranger mes problèmes de santé, peut-être. Mais tu le reposes? Parce qu'il faut faire 200. Mais je l'ai. Maintenant, je suis à 174. Mais je l'ai fait 200 avant. On a enlevé la peau et il y en a deux qui sont tombés. Mais j'ai coupé deux. Tu vois, regarde. Oui, mais j'avais coupé, j'en avais. Je crois que c'est la pile. Ça fait rien à 177. Je vous dis pas, on s'est mis de la pommade. On chauffe. Ah, maman. Ouais, on chauffe. On chauffe. Ah, on chauffe. Vas-y, mets une face, tiens, je te retourne ça. Et mon ami, je lui en ai mis. Ouais, comme je tricote un peu, et puis le bras. À l'épaule. Ouais, les bras. Et puis la nuque. Alors, j'ai dit, mais tu sens rien? Je dis, non. Mais je sens rien, moi. Et là, ça si, se maintenant, fait, hein. Maintenant, ça, quand j'ai mis le gilet, la route derrière la nuque. Encore 5 grammes. Mais punaise, c'est tout mis. Ah, les douleurs qui reviennent, hein, ça, c'est sûr. Hein. Étant comme ça, je vous dis pas, l'arthrose et tout le bordel, ça y va. Hein. T'as les douleurs, c'est chiant. Hein. Ouais. Parce que t'es pas... Du coup, moi, ça fait 3 jours que je mange que de la soupe. Je fais que de courir aux toilettes. Regarde maintenant. Voilà. Et après, tu t'étonnes. Voilà. Avant, c'était combien quand tu étais au téléphone? Je sais plus. Bah voilà. Ouais, du coup, j'ai mangé que de la soupe. J'ai fait une soupe à l'oignon. Oh mon Dieu, j'arrive au travail. J'avais envie d'aller aux toilettes. Et mon patron est encore là. J'ai fait, oh petit, pêche-toi, toi, tu vas aller aux toilettes. Et j'ai parti, je suis mis, tiens, oh, j'allais aux toilettes. Ah ben, oh, l'oignon, ça... Ça a travaillé, hein. Mais les tartes aux oignons, c'est les soupes aux oignons, ça fait... On n'en parle pas. Et les bonnets, là, les pois chiches et tout ça, hein. Ça fait 3 jours, je mange que des soupes. Pas de grignotage, rien, que des soupes. Ouais. Et c'est très bien. Après, tu peux mettre des croutons, tu peux mettre des trucs. Hein. Au plat, on fait... mange une pomme. On fait quoi? Là, hier, j'ai fait soupe de corail. Soupe au corail avec des tomates. Ah, c'était bon. J'en ai encore, ça, je mange ce soir quand je rentre. Ouais. Parce que j'avais envoyé à des abonnés qui m'ont demandé justement le blender chauffant. Ah, maintenant, elle attend. Le blender chauffant que j'ai pris, c'est exprès pour faire des soupes. Vous mettez vos légumes, vos ingrédients. Après, il faut mettre de l'eau jusqu'à niveau... ce qu'il faut mettre de l'eau. Hein. Et puis, ça peut vous le mixer en petits morceaux. Mixer vraiment, mixer velouté et en laisser en gros morceaux. Ça marche trop bien, ouais, c'est trop bien. Merci. Attendez, j'ai ma fille qui m'appelle. Voilà, on était. Voilà. J'étais au téléphone, ça y est, je sais plus où j'en étais. Non. Alors, du coup, on a parlé de l'hôpital. Oui, hop. On va parler du gâteau, au moins. Oui, parce que ça change de conversation. Voilà. Parce que... On va essayer de perdre un peu de kilos, je vais essayer. Mais c'est vrai que j'avais perdu 10 kilos. Ben... L'arrêt de la cigarette, elle a pas fait bon ménage. Hein. Mais là, c'est quand tu arrêtes, tu grossis. Ah, c'est horrible. C'est horrible. Hein. C'est quand tu arrêtes. Ah, voilà. En plus, j'ai dit, j'en ai chier pour arrêter avec la cigarette. Hein. Ça fait quand même deux mois et quelques semaines. Deux mois et deux semaines bientôt. Voilà. Tu vois, t'es quand même arrivé. Tiens, hein. Mais bon, maintenant, ça va être autre chose. Et bon, je vais y arriver. On verra petit à petit. On dirait vraiment un robot. Hein. Hop là, on y va. Elle va être maigre et moi, je suis... Non, je serai jamais maigre. Lontanza, toi. Moi, tout ce que je veux, c'est pour ma santé. Là, moi, je m'en fous, je suis une certaine âge. Alors là, on veut faire une recette de... Béa recette et créa. Création. Hein? C'est un gâteau chocolat gourgette. Que je connais pas. Oh, moi, l'auréole. Voilà. C'est la tablette à ma mère, vous avez vu, elle est équipée, hein. Elle est équipée, hein. Oh. Alors, ils nous disent... Enfin, elle nous dit, je vais plutôt dire ça, parce que moi... Attends, Béa. Je vais mettre en petit. Ah, elle a dit 200 grammes
de chocolat noir. Tu l'as là-bas, tu l'as pesé déjà. Oui, 200 g de chocolat noir. Ça voilà. C'est fait. Et après, ah, j'ai tout sur mon téléphone. Mais là, tu peux pas là-dessus. Parce qu'il faut que j'ai la vidéo. Attends. Alors, pour faire ce petit gâteau, il faut 200 g de chocolat noir, 3 œufs, une levure chimique, 3 coca à l'œuf. On a le temps, hein? Bah oui, on a le temps, j'ai tout fait. Je sais pas. Il y a la quantité de plus. C'est où la levure chimique, Orton? Là? Je sais pas, tu vois la levure chimique, moi. J'ai demandé, tu m'as dit pas tout, hein? Oui, j'avais dit que j'en avais, mais je suis. C'est quoi ça? C'est, non, c'est du sucre qu'elle. Et c'est quoi? C'est toi qui me l'as pas ramené. Ça, c'est de la levure aussi. Ah ben voilà. Il n'y a pas écrit chimique. Tu n'en as pas entamé? Non, il n'en a pas. Et celui-là, il n'est pas. Non, c'est du sucre. Ah non, on va mettre ça. Hein? C'est ça. C'est quoi ça? C'est de la levure. Bah oui. Mais c'est pas la levure chimique, ça? C'est de la levure. C'est de la levure, c'est de la levure, hein? Voilà, tiens. Pour vos plats. On te suit, Béa. Il faut qu'on fasse aussi bien qu'elle, hein? Sinon, on a l'air con, hein? Encore celle-là. 3 œufs. Un sachet de levure chimique. Ah bon, tiens, pour ça, avec. Oh, oui. Dis ça, faut garder parce qu'il y a un autre truc que je fais. Ah, ah oui, c'était. Après, elle me dit. Je la suis. Alors, attendez. Je mets un peu plus fort, j'entends rien, je suis sourde. 200 g de chocolat. Ouais. 3 œufs. Ça, j'ai de la chimie. 200 g de courgettes. Verte, blanche ou jaune, comme vous voulez. Écoutez bien. Une pincée de sel. Tu blanches toi là-bas. 100 g de sucre en poudre. Ah, celui-là, je le jette. T'as le marche à fleurs derrière. Ouais. En plus, Béa, elle met pas beaucoup de sucre. 100 g. Pour moi, c'est génial. Parce qu'il y a des recettes. Oh là là là. Au moins, on est sûr que. Et de la maïzena qu'elle nous a dit. Attendez. Et 70 g de maïzena. 70 g de maïzena. Tu veux faire ta part le sucre? Le sucre, 100 g. T'as vu, comme j'ai les recettes sur mon téléphone il est accroché. Donc... Allez, on y va. On y va, les vieilles. Les vieilles. Oui. Et alors, je suis vieille. Dans le troisième, je suis vieille. Moi aussi, je suis vieille. Il n'y a rien de mal. Et on est fiers d'être une vieille. Vieille, voilà. J'aurais préféré sans les douleurs. Hein, ouais. Ben, c'est comme ça. Il faut l'accepter, les douleurs. Moi, j'ai le kiné la semaine prochaine. Ah bon? Ouais, le mardi et le jeudi. Il est beau? Ben, c'est un jeune. Hein. Tu vas là-bas comme d'habitude ou? Non, il vient, il se déplace. Ça va être là-bas? Oui. Ah, il y en a, il est beau. Parce que la personne ne le fait plus, elle ne se déplace plus. Ah, oui. Il y en a, attends, comment il s'appelle de nouveau? Ça fait longtemps que je suis pas allée. Oh là là, même mes filles ne me croyaient pas, j'ai fait, ah, c'est beau, oh là là. Alors, tu te déshabilles, tu te masses, mais tu vois le corps que t'as, toi. Avec ça, il va pas loin, le mec, hein. Quand tu habites au corps, il part au courant. Mais chaque fois, quand je suis allée là-bas chez eux, à côté, le Saint-Pli, je suis allée et j'ai cherché des gâteaux, des bonbons. Mais ils sont gentils, attends-toi. Ouais, ouais. Ou alors une bouteille. C'est vrai qu'ils sont très, très gentils. Mais après, ma fille, elle ne me croyait pas. J'ai dit, viens une fois avec moi, tu vas voir. Et elle devait aussi faire kiné. Et après, quand elle allait là-bas, elle dit, oh la vache, qu'est-ce qu'il est beau! Et on a même fait une farce avec quelqu'un. Hein? Une farce avec quelqu'un, tu te rappelles plus? Ah ouais, non, c'est pas ça, avec Ophélie.
On avait même, avec le kiné et tout, on a fait un numéro avec un garçon et tout. On a réussi à avoir son numéro. On était complices. Vous savez vu comment ils sont. Mais ils étaient sympas. Bon humour et tout. Franchement, je crois qu'il n'est plus là. C'est dommage, c'est parce que c'est pas à côté, c'est ça. Ah, il est plus là, je crois. Ah, mais c'était marrant. Comment il s'appelle? De nouveau, lui. Oh là là, celui-là, faut que je demande à Ophélie, elle a la bonne mémoire. La mienne, elle est changée. Elle est foutue. Mais bon, avec tout ce que tu du coup, pensé. Je vais râper tous les. La courgette et 200 g de courgette, je vais les râper. On l'a pas sali, hein. En plus, il est tellement vieux. Ah, il est vieux. Ah, ouais. Celui-là, il est vieux. Il a fait son temps. Hein. Je sais même pas s'il le vend encore, celui-là. Le design, ça m'étonnerait. Hein. Avec ça, je faisais les purées, moi, pour Ophélie Léa. Ça fait... Oh, God. Ça m'a aussi bien aidé, hein. Là, je suis au pli, hein. Ça date, hein. Ouais. Oh, God. Bon, moi, il est utile, hein. Tu cherches quoi? Mais un truc pour... Ah, il est là-bas. Dans le... Attends, dans le meuble, je prends. Le marché que tu veux. Non, le chat, il se pète la forme. Il va bien. La télé qui tourne tout seul. Ouais, il faut que je l'éteins. Bon, c'est pas grave. Ben, ça tourne, là, je m'en fous. On va prendre ça, ça sera peut-être un peu mieux mixé. Parce que là... Mais moi, je mets dans quoi, là, pour mixer? Mais bon, je peux pas, ça va... Je pique peut-être en l'air. Attends, je fais... Je vais essayer. Heureusement que c'est du plastique. Fondre le chocolat. Ouh! Oh, ben elle a fait au bain-marie, mais nous, on n'a pas tout ce qu'il faut. Voilà. Là, il faut mélanger parce que sinon, après, ça crame. Heureusement qu'on ne travaille pas cuisiner, nous. Hein. Maman, j'aurais déjà fait des conneries. Ça, oui, je confirme! Des fois, j'ai du mal à suivre. Tu me l'aurais dit tout de la chaleur. Tu me l'aurais dit tout de suite, je l'aurais fait tout de suite. Non, mais maman, rien dit. Ça, c'est normalement, ça doit être automatique. Non, maman. Tu veux l'âge que tu as? Normalement, tu devrais m'apprendre. T'as fini tes conneries, toi, maman. C'est à toi de m'apprendre. Qu'est-ce que j'ai à foutre de l'âge? Après, à l'époque, on faisait pas autant. Hein. Non, je veux. Et on faisait ce qu'on avait. Il n'y avait pas tout ça. Il faut que tout fond, hein. Ben, tu veux plus? Non, la chaleur, ça va encore un peu fondre. Ah, ben alors, va. Tu vois, ça continue un peu à fondre. Le bois, il est chaud, ça fond. Il faut qu'on fasse attention de ne pas le cramer. Tu vois, ça fond encore. Oui. Alors, laisse ça un petit peu. Pas trop, ben, ça refroidit. Je sais. Et si jamais il faut le remettre, on le remet un petit peu. Non, c'est bon. T'as eu Béa, elle fait ça assez mixé. Oui, parce que je laisse. En plus, elle va vite. Hein. On va y arriver. Hein. On va y arriver.
Si elle va voir l'autre bignole, elle va être morte de rire. Je sens qu'elle va être morte de rire. Allez, Véro. Moi, j'ai appris comme ça quand j'étais au four, quand j'étais à Chiamet, dans la foucherie. C'est elle qui faisait le manger, hein. C'est pas moi. J'ai épluché ce que je devais éplucher. Hein. Moi, vous n'avez pas appris comme... Non, j'ai pas appris beaucoup. Hein. C'est elle qui faisait le manger, c'est pas moi dans la boucherie. Hein. J'ai épluché, je lavais beaucoup les casseroles. Et moi, j'ai appris à l'arrache, hein, comme toi tu fais. Hein. Mais c'est par la personne que j'ai appris. Regarde. Non, oui, après, tu n'avais pas ta mère non plus. Hein. Non. Ah oui, on fait avec ce qu'on a, hein. Ma mère, j'ai perdu à l'âge, je crois, que j'avais. Du coup, on regarde YouTube et on apprend beaucoup de choses. Mais c'est pour ça. Un œuf. Voilà, la maïzena, l'œuf. Un œuf, un peu. J'ai vu du blanc, donc ça peut être que la maïzena, vu qu'on a pas de farine. D'accord, un peu de fumée, pas beaucoup, hein, regarde. Ah, t'as vu, tu fais juste un peu chauffer, puis ça fond. Moi, je n'ai pas appris beaucoup, moi. Je ne sais pas grand-chose, je suis franche. Moi, je ne sais pas tout non plus. Il y a beaucoup de choses que je ne sais pas. Il y a beaucoup de choses que je savais que je n'ai plus envie, en fait. C'est surtout ça, oui. Hein, ouais. On fait comme on peut, hein. Je voudrais bien apprendre des choses, hein, mais... Non, on s'écoute très bien. Eh bien, elle a pris ça. C'est moi qui l'ai laissé ouvert au cas où. Ah, pour mettre. Au cas où, s'il faut le remettre. Je fais comme elle, je copie tout. Elle fait bien, elle. Bah, alors, on mélange. Parce que si on fait comme elle, on va avoir un gâteau aussi parfait. Oui, ça, c'est vrai, mais... que j'ai jamais fait, hein. Attention. Tu veux pas mettre tes femmes serviettes ou quelque chose avant de l'oreiller? Hein? Je donne la main. La poudre, elle est bien diluée parce que ça fait un peu de gros. Regarde, c'est bon, hein, c'est bien parti, les crémeaux et tout. Hein. Bien. On travaille comme des pros. Ça, on va le mettre contre le mur pour partitionner le mur. Pour l'instant, je suis comme Béa. Oui. La levure chimique. Là, je copie tout. Moi, avec Béa, on peut se partager. On n'a pas de problème pour ce côté-là. Mais c'est bien, c'est comme ça que tu apprends à faire tes choses. Mais oui, moi, c'est aussi. Des fois, on voit tellement de choses qu'on n'arrive pas à tout faire. Non, parce qu'on n'a pas les moyens et puis on n'a pas tout ça. Tout acheter, voilà. On n'a pas forcément tout. Non, on n'a pas tout. Mais là, on a prévu de faire le gâteau à l'orange, que j'aimerais bien, mais je n'ai pas trouvé encore d'orange. La clémentine, je veux dire. Ah, moi, je l'ai vue, la clémentine. C'est pas encore la saison. Non. Elle a tout bien mélangé, j'ai fait comme elle. Après, elle a mis la courgette. Je copie tout. Oh, une petite cuillère. Ah oui, j'ai pris deux verres. Hein? J'ai pris deux verres. Hein? Ah, pour mettre les trucs? Oui, parce que sinon, il n'y aura plus assez de place. Allez, on met tout ça. C'est plus joli, c'est plus propre. Je mets la courgette qu'on a mixée. On me voit, ouais. Bah oui, hein. Ça peut intéresser des gens. Après, bon, il y en a beaucoup qui sont abonnés à la chaîne DBA, donc forcément, ils l'ont vu. Hein. Ça, c'est le tri. Mais j'avais envie, je sais pas. Voilà. C'est le but, hein, de partager. Hein. Un moment. On met ça le tri. Ah, Ophélie, c'est de faire le tri. Hein. Ouais, aussi. Ouais. Mais moi, je le fais, ça fait trois fois que je suis en bas. Voilà, je copie.
En même temps, je suis la vidéo, je tombe tout sur la tablette. Comme ça, on ne peut pas dire que je fais des erreurs. Voilà, la courgette, je l'ai mise. J'ai bien mélangé, ouais, ça va. Et à mon avis, elle va mettre le chocolat. Je crois que j'ai dû zapper le sucre au début, mais c'est pas grave. Mon Dieu, il faut gratter. Parce que sinon, il y a plus de 200 grammes. Il en restera 150. Désolée, hein. Je les ai mis dans le derrière, de toute façon. Ah non, non. Tu fais juste seuil. Ou pardon. C'est du chocolat. C'est juste seuil. Alors, comme vous pouvez voir, la préparation est vraiment très liquide. Vous voyez? Mais c'est tout à fait normal. Donc là, je vais vider ça dans le moule. Et ça va partir au four pour que je ne dise pas de bêtises. Jamais fait de ma vie ça. À 45 minutes, elle a dit. Oui. Je vais rajouter dessus parce que comme d'habitude, hein, j'ai oublié. Et pas assez tout seul, t'as aussi oublié, non? Ou c'est moi qui... De toute façon, c'est pas grave. Le sel, hein. J'aurais dû mettre avant avec la poudre, là. Faites pas comme moi. Ah, attendez. On va pas voir grand chose avec moi. Tu vois? Tu veux que je te fais un peu? Non. Tu veux la mettre? Mettez le sucre au début avec la maïzena, ne faites pas comme moi. Avec une vidéo, j'arrive encore à faire du colis. Ah, ça, c'est. C'est le colis. Non, c'est pas ça qu'on a à deux. C'est pas facile. Hein. Non. C'est la vieille qui l'a. On est seul, on arrive mieux. Ah, bah la prochaine fois, tu fais ta vidéo tout seul. Non, c'est pas ça, on est plus concentré, je trouve. Oui. Enfin, c'est pas grave, c'est pas ça qui va faire la différence. Hein. Voilà. So. Du coup. Il n'y a pas le machin pour le plan pour. Quand tu mets, si là-bas il est, dans le plan, vers derrière. Je veux pas ça moi, je veux pas de pinceau moi. Un pinceau je dis. Je suis promis, c'est pour tes affaires, ta façon de ranger, je suis perdu ici. Mais on l'a acheté alors. Voilà, donc je vais mettre ça pour pas que ça colle, hein. Je l'utilise, hein, mais pas le gaspiller. Et je vous reprends tout de suite après. Voilà. C'est pas moi, hein. T'as vu comme... Hop, lèche-la. Hop. C'est du chocolat. C'est du caca. Ouais. On est en vidéo. Oh, voilà. Excusez-moi. Ça s'est fait. Oh ben, on a le droit de servir, peut te rigoler. Ah, on connaît aussi le gros mot, vous inquiétez pas pour ça. Surtout quand on habite là-dedans, on a le droit de connaître les gros mots. Ah, surtout chez la vieille. Ah, des fois, oui. Je dis les enfants. En général, un gâteau, de toute façon, c'est 180, je crois, 160, 180. Voilà, en tout cas, ça s'est fait. Un jour, le prince. C'est vraiment très liquide. Ouais, c'est vrai, c'est un peu liquide là. Oh. Voilà. Si elle est comme elle est là, j'ai rien compris. Elle a dit quoi? Je sais pas. Oh non plus.
Je vais juste le laisser un peu chauffer, j'aurais dû l'allumer avant. C'est pas grave, de toute façon, on a le temps. Voilà. Comme ça, on reste ensemble. Hein, maman? Oui, oui. Ah, tu vas pas dire la vieille. Oh, mais... Hein, ma vieille? Oui, ma jeune. Et alors, je m'en fous, et alors, c'est la vérité. On se fait encore beaucoup par ici. Je chante, on a toujours. Il faut juste une écoute pour faire ça. Deux secondes, ma grande. Tiens, ma jeune. Ah, ça. Ah, tu veux ça ou l'autre? Sinon, ben voilà, on a fait notre petit gâteau, hein, voilà, j'avais envie de faire ça, ça change. Maintenant, on va faire le... on a la question de faire... Je vais marquer sur une feuille tout ce que j'ai besoin, parce que c'est embêtant aussi, un peu désordonné. Donc il faut que je fasse une feuille, je vais marquer tout ce que j'ai besoin en ingrédients pour faire la recette du bourguignon, là, de Béa, qu'on va faire. Parce que là, c'est depuis l'année dernière, il me tente bien. Bien sûr, il y aura des restes. Hein. Des fois, il y a des commentaires, on a l'impression qu'on est rond, on mange 50 kilos. Oh, franchement. On mange pas beaucoup, c'est pas vrai. Je vais gerber. Hein. Et voilà. Et du coup, je vais marquer tout sur une feuille ce qu'il me faut parce que c'est embêtant à chaque fois. Il pourrait me dire, tu rigoles, il le ferait. Voilà. Coucou, ma Béa. Voilà. 30. Là, ça fait 30. 35. Vers 40, je vais vérifier sur le 9. C'est comme elle. Je viens gaga, je regarde avec les lettres. Hein? Voilà, vous avez vu, on a tout de suite tout nettoyé. Attends, j'ai pas vu. T'as rincé déjà? Oui. Ben voilà, regarde, elle brille. Ça brille. Mais oui. Non, je rincé les poches, je repassais un coup. Non, hop, ça brille. Il y a des étoiles. Oh, quelque chose de signé plutôt. Eh oui, j'ai tout ça ici, toi, Nadu. Voilà. Sinon, ben voilà, hein, la routine. Un moment. Comme d'habitude. Ouais, la routine, le froid de retour. Ouais. Les courbatures de retour, l'arthrose est de retour. On l'a toute l'année, mais quand il fait froid, on la sent mieux passer. C'est encore pire. Mais ça va, on fait avec. Ah, t'as déjà commencé à mettre le chauffage aussi, hein? Ouais, chez nous aussi, un peu. Ça allait tôt cette année de nouveau, pas d'habitude, c'est pas avant milieu octobre. Hein. Mais il est pas bouillant, hein? Non, mais moi j'allume c'est pas. C'est à peine, à peine. Non, non, moi j'allume pas. C'est vraiment que j'allume un petit peu si je me claque, mais j'allume pas partout parce que je sens qu'on va la sentir passer si on a une recharge l'année prochaine. Hein. J'ai allumé parce que. Merci, hein, tout chez moi, il fait, hein. Chez moi, il fait froid. Hein. Tu l'as déjà allumé? Mais oui, elle est ratée pas ici, dans la salle à manger et à la salle de bain. De quoi? Moi je prends une douche, moi je crelotte, hein. Il y aurait une chose, tu crelottes, hein. Mais faut la couper au cul, tu vois, comme ça. Attends, tu mets la pommade, tu vois, tu as chaud. Oui, je sais, elle est encore chaude, là, elle est derrière ma nuque. Oui, le soir, oui, c'est vrai, le soir et le matin, ça, oh, c'est... T'as les pieds, gelés, ça va. Les mains gelées, t'es là comme une truc, t'es là. Je sais, mais la journée, ça va. Oui, parce qu'on bouge. Attends, quand tu restes longtemps assis, tu verras. Bah, je sais, je t'ai aussi les pieds gelés, hein. Ouais.
Voilà, du coup, ma mère, elle a reçu un colis. C'est de Chantal qui nous avait aussi offert les poubelles. Oui. Je cache comme ça que je l'adresse. Elle nous avait offert les poubelles qui sont pour Florian. Du coup, ils sont encore là. Hop là, voilà, tiens, tu peux sortir. Je sais c'est quoi. Oui, c'est du pelotonnerre. Mais je suis contente que les choses soient fatiguées aujourd'hui. Ouais. Oh, mais du blanc, ah. Et ça fait 2, 4, 5 pelotes de laine blanche. C'est bien. Merci elle est belle. Beaucoup. Hein. Ouais, merci beaucoup. Elle est jolie, hein. Et c'est du. Et il y a la vache. Ouais. Et la vache. C'est du blanc. Hein. Ouais, c'est vraiment du blanc. Un beau blanc. Ouais. Attendez, parce que le bruit du sachet, là. Ah ouais. J'ai beau chmoller. Elle est un peu douce, regarde. Celle-là, elle est agréable. Oh. Dans mon grand bassin, que je pourrais faire un cache-nez avec un blanc. Mais alors cette fois-ci, c'est toi qui te rigote. Ah non, je pense, je suis pas prêt de l'avoir fini. Il est vachement bien, bien blanc. Hein. Un bon blanc. Elle est agréable au toucher. C'est diamètre 2 mm, ils disent. Mais tu crois dans mon 50 grammes et 100 mètres. Désolé. Tu crois dans mon catalogue, on ne peut pas en trouver. C'est pas la même marque. C'est pas la même marque. Ah, une merde. Je pose là parce que ça fait du bruit. Attends, on a oublié ça, maman. Merci beaucoup à toi, Chantal. Oui, merci. Gentil, hein. Merci. Merci beaucoup. Hein. Un énorme grand merci. Hein. Un grand schmutz. Hein. Ouais. Regardez. Merci beaucoup. Je voulais les mettre à la poubelle. Mais t'as raison, mais là c'est à la poubelle. Maintenant, mais là c'est à la poubelle. Ah, mais je t'y marche, je n'en pas. Tiens. Yo. Voilà. Merci, hein, merci à Crochemoutz, hein. C'est gentil. Ouais, c'est très, très gentil, hein. Merci beaucoup. Hein. Ouais, je lui dis, moi. Et puis j'ai fait beaucoup de. J'ai crocheté, me fait une petite couverture pour mettre sur le canapé. J'en ai, il me manque encore trois ou quatre, et après j'ai fini. Après, il faut que je regarde laquelle couleur que je peux mettre autour. Je sais pas. Ben, laisse-le un peu. En attendant, la couleur, je sais pas. Hein? Juste là. Hop là, vous voyez, à deux. Comme ça, pour après, faire ça la voilà, là, je fais et après. Et puis ranger. Voilà. C'est vrai, à deux, ça va plus vite. Mais oui. Elle est jolie, la pelotonnerre, ça, c'est vrai. Ouais, mais autour de mon crochet que j'ai fait, les petits carrés, je sais pas. Laquelle couleur pourrait mettre. Et là, on va faire la vidéo, maman, une petite vidéo, c'est une petite, pour toutes les personnes qui veulent des grilles de broderie, parce que à chaque fois, on en oublie des personnes. Et c'est d'une vidéo, d'une autre vidéo, je ne sais plus qui est quoi. Mais j'ai été. Ne rigole pas, on va faire une seule vidéo. Oui, je suis hyper nerveuse, là. Et on fait une vidéo, et en dessous, tous les abonnés qui veulent, ils me marquent en dessous, comme ça. J'ai une vidéo spécialement pour ça, je suis moins perdue. Mais au lieu de faire l'écrire, j'ai plein de livres, si quelqu'un leur intéresse de broder. J'ai un grand livre de broderie, si quelqu'un le veut, avec que des fleurs. Hein. Si ça leur intéresse, moi je l'envoie. Ouais, des trucs qu'on n'utilise plus alors. Moi je l'utilise plus tellement. Autant faire plaisir à quelqu'un, puis ça fait plaisir en plus de leur faire plaisir aux abonnés qui brodent. Même de Noël. Des livres de Noël. On a quand même des contacts. Bon, là, l'autre vidéo, j'ai pas tout répondu. J'ai tellement de commentaires des fois. Hein? Mais je mets toujours un commentaire au-dessus que j'ai gardé. Mais je les lis tous. Hein. Je peux pas, si je pourrais faire, je peux pas. J'ai du mal à. Les non, mais bon, je pense que vous allez me comprendre que des fois, quand j'en ai beaucoup, je fais de mon mieux et des fois, je réponds pas. Je réponds à ceux qui me posent des questions. Comme pour le blender chauffant. Ça, je vais l'emmener, puis on fera une fois ensemble. Hein? Soupe. Elle se foutait de ma gueule, on va dire plutôt. Elle se foutait de ma gueule, c'est. Non, j'adore. À cause de la reste à la noutre. À la reste à la noutre. Qu'est-ce que c'est, nous, la reste à la noutre? Ah! C'est vrai, ma traction. Mais tu dis reste à la noutre, là. Raser la noutre. Raser la noutre. Raser la noutre. La noutre. Nus. Maintenant, je ne sais même plus. En fait, c'est de la poudre et moi je savais pas. C'est la nuque. Je dis, c'est quoi ce truc? Et à force de trop chercher, de regarder dans les magasins, en fin de compte, c'est des épices à couscous.
Alors que j'en avais en sachet, il y a marqué épices à couscous, il n'y avait pas marqué que c'était Razel Hanout. Ouais, c'est bizarre, les noms. Cette épice-là que j'avais regardée dans le livre de. Ouais. Pour la soupe que j'aimerais faire. Ah, même je suis aussi forte de ça que vient. Elle se fout de moi, Razel Hanout. Razel Hanout. Elle se fout de moi. Du coup, j'en ai acheté alors que j'en avais déjà des épices à couscous. Après, ça, c'est pas perdu. Mais je vous dis, j'étais pour. Maintenant, je sais que l'épice à couscous, c'est ça. En fait, c'est des épices, il y a plusieurs épices dedans. Ah, c'est un mélange. Moi, je sais pas tout non plus, hein. Ah, moi, je sais pas tout, hein. J'oublie beaucoup. Mais laisse tomber, le cerveau. Mais parce qu'on fait plus rien, peut-être ça te remettra. Hein, non, il y a le stress beaucoup. Et le... Oui. Tout le monde te parle, tout le monde te dit, t'as le tête comme oui. Ça, t'arrives bah, voilà, à retenir. Voilà. C'est ça. Sinon, ça va. Moi, j'ai fait les manches. Ben, j'ai rigolé quand elle me l'a dit. J'en pouvais plus. Je me suis... Après, quand j'ai fait la soupe à l'oignon, j'ai dit, au travail, j'avais envie d'aller au schnitzel. Oh punaise, j'étais dehors, ça fait blablabla. Oh, allez, tu pars quand là? Il faut que les toilettes. Pour qu'elle est partie, je sors les clés, hop, j'y vais. Je fais vite aux toilettes. Mais c'était pas assez long hein, pour. Oh là là, ouais. Déjà que moi, j'ai pas beaucoup de colons. Hein. Non. Donc, il faut que je me dépêche. Hein. Non. Que voilà, j'ai un colon plus court. Ben, c'est normal. Ça va plus vite. C'est que hier, j'ai fait soupe à corail, de lentilles corail. Oh, elle était bonne. Ouais. Oh, j'ai ça plus vite trop de poivre, je crois. Mais ouais. Ça va. Ouais. Franchement, j'ai juste mangé ça. Et t'étais pas embêtée, hein. Non. Parlez. Alors, ça va. Donc, il m'en reste pour ce soir. Demain, je refais une soupe. Moi, je l'ai fait comme ça. J'en avance que là-haut après des soupes. Mais moi, j'en ai fait l'autre fois, Jérôme. Ton frère. Mais j'aime bien, moi. Jérôme, il a dit, il est bon, hein, son frère, il a dit. C'est vrai que les soupes, c'est tellement bon, hein. Oui. T'en manges un, 2 heures après, tu peux remanger un bol. Oui, ça, c'est vrai. Et là, maintenant, on va faire la soupe. Qu'est-ce que j'ai dit, la soupe à. Je sais plus, quoi. C'est un truc que ta voisine t'en avait déjà donné à l'époque. Mais madame. Là-bas, là. Oui, t'avais déjà donné. Ça date. Ah, une soupe d'étrangers, là. Oui, qu'il faut au ramadan. Oui. Je sais plus, il faut que je regarde. Celle-là, elle m'avait donné envie. Elle était comme ça à l'épaule. Mais après, chaque recette est différente. Oui. Mais moi, je sais pas, j'ai vu ça sur le livre. Donc, je vais faire ça. Il me manque. Même du couscous, c'est la viande. La viande, il faut les légumes. Non, il me manque de la viande. J'ai demandé ce qui me manque. Ah, de la viande, tu as dit. Du bœuf en petite lamelle, il me manque. Et ça, je plus tard. Ça, on va aller ensemble. Ouais, qu'on va. En même temps. Et de toute façon, on doit passer à la je crois qu'il me manque encore un peu de pois chiche, je crois. Ah bah, on cherche. Donc, je ramènerai le robot ici, puis on le fera ensemble, parce qu'elle ne connaît pas aussi ma mère. Donc, c'est pour ça, c'est pas évident. Je dois ramener le matos pour faire ensemble, pour repartir avec le matos, pour. Oh! Hein? Sinon, je m'achète un. Oh, c'est pour que tu viennes tous les 5 minutes, mais comment on fait? Non. Comme la machine pour les sachets congélation, hein? Pour la congélation, quand je te dis? Ah, moi, je ne l'ai plus. Ah, t'arrivais même pas. J'arrive pas. Pourtant, c'était pas. Non, j'arrive pas. Je ne suis pas arrivée. Je te dis, il y a des choses que je peux bien faire, il y a des choses que c'est long, jusque c'est long dans mon cerveau. Voilà, c'est pas grave, on fait ensemble. C'est très long. Même à lire ou on le fait ensemble, oui, et ça va aussi bien. Hein. Sinon, moi, je m'en achète un robot, puis c'est bon. Hein, voilà. Moi, je m'en fous, moi. Voilà, on fait quoi à midi à manger? On mange ça que tu as fait. Ah, les crompérequeches, j'ai fait des crompérequeches. Ouais. Tu veux manger avec quoi? Moi, je n'ai pas trop mangé. Moi, je fais un peu parce que déjà, je mange depuis 3 jours des soupes. Est-ce que ça sent bon, ça sent le gâteau. Je sais. Je vais essayer de descendre, même si c'est pas beaucoup, mais moi, je descends un petit peu. Ça va. Parce que franchement, c'est vrai que. Tu casses tout, toi. Ça va, tu es pas grave. Ça va, tu es là. Ah, non, quand l'autre saucisson. Oh, attendez, il faut que je vous montre quelque chose. Alors là. Il est bien emballé, hein. Ah oui. Même celui-là. Ah, en fait, j'ai cherché 2 filets mignons et voulais faire une vidéo ce jour-là et on n'a pas pu. Mais c'est parce qu'on était dérangé comme d'habitude. Hein. Oui, on va. C'est quelque chose qui arrive. Et alors, j'en ai fait un aux herbes. C'était quelle herbe au niveau? Herbe de province, je crois. Oui, hein. Oui. C'est du filet mignon que vous trempez toute une nuit dans du gros sel. Après, il va se figer parce que ça va saler la viande.
Après, il faut la rincer, bien rincer tout le sel, le nettoyer. Après, vous l'essuyez pour enlever tout l'excédent d'eau. Et puis après, vous mettez les épices selon votre goût, bien évidemment. Ça, c'est comme les saucisses là que vous achetez dans le commerce. Il y en a au poivre, il y en a au piment d'Espelette. Et du coup, moi, j'en ai fait un que j'ai mis partout aux herbes. Et l'autre, j'ai fait au piment d'Espelette parce que j'en avais encore. Et ma mère, elle n'avait pas assez de ficelle pour l'emballer en saucisson. Donc, j'ai pris du scotch électricien. Voilà, elle est bien fermée. Et en plus, c'est plus pratique. On n'a pas une série. On fait juste comme ça. Hop. Du coup, on va bientôt le sortir. Hein, ouais. Bientôt. Je vous montrerai quand même le rendu. Si c'est pas raté. Si jamais vous ne voyez pas le rendu, c'est que c'est raté. Non, en général, je ne rate pas. Voilà. Et Jérôme, il m'a demandé c'est quoi ça? Oui. Hein? Mmh. Il ne connaît pas non plus mon frère. Après, c'est un homme, il a autre chose à foutre, hein, milieu de travail, il n'a pas trop. Là, j'ai fait des comperekes avec des patates, des lardons, et j'ai même mis un peu de gruyère dedans. Ah. Ouais. Des fois, quand elle est seule, elle se fait des. Comment on voit dans les vidéos YouTube? Elle fait plein de recettes, plein de trucs, et après là, elle stocke au frigo. Ouais, bon, ben, ça fait rien. Il est quelle heure, Marcheteau? Mais il est déjà une heure, maman. Une heure? Oui, 1h05. Bon, ben, alors on mange parce que si la personne elle veut venir. Hein. Ouais, on aura de la visite après. Tu veux quelques tomates avec? Ouais, ça suffit, ça. Je mange un peu. Oui, mais t'as dit, moi je prends juste ça, avec 2-3 petites tomates, moi ça me suffit. Oh, alors on mange. Voilà. Alors, c'est trop de douleur de dos, alors faut que je fasse ça, faut que j'arrête. Il y a des endives, non? Non, non. Parce que là je l'ai fait dans la. Sur ce, je vous dis à tout à l'heure pour vous montrer le résultat. J'espère qu'il va être beau le résultat. Ouais, je voulais juste dire. Les endives. Voilà, l'air de bien comprendre, regarde. Oui. Oh punaise. Et ça sent bon. Les endives, là, les tout petits que les gens achètent. J'aime bien la BA et puis. Céline, ils savent pas mal de choses en cuisine hein, que je connais pas, hein, franchement. Mais moi, je pouvais pas t'apprendre parce que y a personne. Mais je savais plein de choses. La pâtisserie serait pas là à l'époque. Oui, j'ai tout donné. Hein. Là, à l'époque, je pouvais faire. Tu veux ce que mettre... j'ai fait, moi. Je le mets un peu. Mais j'aime bien. Hein. Moi, j'aime bien. Voilà. Sur ce, je vous dis à tout à l'heure. Je vous dis bon appétit. Et puis, je vous montre le résultat. Bisous. Youhou, les copains, les copines. Humour, humour. Oui, oui. Bisous. Voilà le résultat. Viens, Tania. Voilà. Là, c'est pas qu'il est cramé, c'est que le chocolat peut être un peu coulant. Voilà. Voilà. Bisous tout le monde. On va couper. Oh, elle est moelleuse. Bon appétit. Bisous.